Selon vous, Marie Tessier, qu'est-ce qui devrait être fait? Mais il faut se retrousser les manches, voilà. Mais il faut y aller vraiment. C'est plus le moment de faire de la réelle politique. Bonjour Marie, vous allez bien? Oui, oui. Et vous, monsieur le président? Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans l'humanitaire. Il est temps d'agir à un autre niveau, en tant que nouvelle ministre des Affaires étrangères. Pardon? Des touristes français ont été pris en otage au Sahel. Ils sont maintenant détenus là. Bref, c'est la grosse merde. Je prends. On va négocier. Rien ne doit filtrer hors de cette pièce qu'on ne sache même pas entre nous qu'on sait. Vos otages sont... nos otages. Terroriste, c'est un métier. Là, service financier. Et là, planification des enlèvements. Si vous les voulez tous, c'est 15 millions. Je veux bien descendre à 12. Ça va faire chier ces otages. Hein? La situation, c'est chiant. On est prêt à leur livrer la rançon dès ce soir. Putain! Putain! Les Français, c'est français! Vous êtes en haut des recherches Google avec comme mot-clé associé connasse, mère Teresa alcoolique. Je suis la ministre, j'assume. En même temps, c'est un petit peu de ta faute, hein. On ne peut pas se permettre un deuxième échec. Vous allez pas nous laisser tomber. Je vais trouver une solution, je dois trouver une solution. La libération a raté, alors il s'est passé quoi? Les dysfonctionnements viennent du Sahel, pas de la France. Mais maintenant, tout est sous contrôle. Ah voilà, on l'a dit.